On l'avait déjà détecté à Saint-Brieuc, avec sur cette ville une véritable menace d'un phénomène de Los Angelisation. Puisque si on n'y prend pas garde, Saint-Brieuc risque bientôt de s'étaler sur un territoire long de 100 km de large et large de 100 km de long. Avec des temps de transport pour aller de chez soi à son travail de l'ordre de 8 à 10 heures par jour, ce qui fait que les gens là-bas bientôt vont ne pouvoir travailler qu'un quart d'heure. C'est-à-dire ils vont juste le temps de boire un café avant de rentrer chez eux. Il faut savoir là-bas que le phénomène est aggravé par ce qu'on appelle en psychanalyse urbaine l'or gris. L'or gris étant l'afflux de devises générées par les retraités. Qui, lorsque l'heure de la retraite a sonné, eh bien, se déversent sur les côtes. Ils achètent toutes les villas. Ils font augmenter le prix du fessier, du foncier, je veux dire. Et ce qui fait que les jeunes costards marocains, qui veulent acheter des habitations, eh bien, ils sont obligés de se replier vers l'intérieur des terres. Et là, sur qui ils tombent ? Sur des Anglais. Et là, ils ne savent pas quoi faire, les Corses marocains. Parce que, à cause, justement, de raisons purement psychanalytiques, qu'on a réussi à détecter, à comprendre, en mettant en évidence l'arbre mytho-généalogique de la Bretagne et des Côtes d'Armor lors de l'opération menée là-bas. J'ai l'impression d'entendre un portable. Non. Pour résumer, hein, au niveau arbre mytho-généalogique, ça fait un exemple d'arbre. Il faut savoir que, on voit ici, comment dire, la Bretagne ne forge son identité que vers le 5e, 6e siècle, avec l'arrivée sur place des Bretons, qui arrivent, d'après la légende, sur des vaisseaux en pierre. On ne sait pas comment ils ont fait. Ils avaient des vaisseaux en pierre, peut-être qu'ils portaient le vaisseau tout en nageant, parce que c'est vrai que les Bretons sont courageux. En tout cas, il semblerait que les Bretons... les Bretons arrivent en Bretagne parce qu'ils ont été poussés en Grande-Bretagne par les Angles, la terre des Angles. Les Angles ont été poussés par les Saxons par les Germains, Germains par les Francs par les uns et les autres, qui étaient les Visigoths et les Ostrogoths, et les joueurs de Go, qui étaient les Mongols et les Mogols, qui, d'après le Café des Sports de Saint-Brieuc, ont été repoussés du fin fond de la Sibérie par des ours géants, les Colargoles, qui hurlaient enfin en sol et qui ont généré un jeu de dominos. Ce qui fait que les Angles ont poussé les Bretons se sont déversés en Bretagne. Et ils ont fondé là-bas les premières churches, les églises, les monasters, les monastres, les abbayes, les abeilles, les pubs, les pubs, les beds and breakfasts, etc. Et ainsi de suite. Et grosso modo, pendant une dizaine de siècles, on le voit ici, les échanges commerciaux ont très bien fonctionné entre la Bretagne, la Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Écosse, l'Islande et l'Espagne. Jusqu'à ce que, patatrac, j'ai envie de dire, fin du XVe siècle, mariage arrangé avec, entre Anne de Bretagne et le roi de France. Notez le courage qu'elle a dû avoir pour affronter cette épreuve. C'est horrible. Eh bien, la Bretagne est arrachée de sa mère naturelle, la Grande-Bretagne, pour être confiée aux bons soins d'une mère adoptive qui était donc la France. J'ai envie de dire mauvais soin de la mère adoptive, puisque la France, vous ne le savez, vous le savez sans doute, n'a cessé de mépriser les Bretons, au point de les traiter de curateurs de fosses, et d'aller jusqu'à leur couper la langue en interdisant la pratique de la langue bretonne. Ce qui fait que durant des siècles, la Bretagne va être déstabilisée, coincée entre une mer naturelle, la Grande-Bretagne, alors qu'elle, c'est la Bretagne, la Petite-Bretagne, donc début du fameux complexe d'infériorité breton, et une mer adoptive qui lui disait « Écoute, Petite-Bretagne, notre pur ennemi, c'est ta mère, la Grande-Bretagne. Oh. » Ce qui fait que la Bretagne ne savait pas sur quel pied danser, et elle a donc inventé le fest-noz. Mais oui. Si vous rajoutez à ces deux mères hystériques et historiques en même temps
une troisième mer qui était la mer nourricière, le bel océan, vous mettez en évidence le premier parent absent breton, le père absent breton, le marin, qui part à la pêche et qui revient pas souvent, ou pas du tout. Si en plus de ça, vous rajoutez une quatrième mer, qui est donc la mer supérieure, la religion catholique, vous posez sur la région comme une chape de plomb, une sorte de surmoi castrateur, au point d'étouffer, pour le coup, le deuxième parent, père absent breton, c'est le druide. Si vous faites le calcul, ça fait quatre mères hystériques et historiques en même temps, plus deux pères absents. La Bretagne n'avait d'autre solution que de sombrer dans la dépression, et donc dans la boisson. Vous saisissez ? Donc, quand les casques d'argent refoulent les jeunes Corses marocains à l'intérieur des terres qui tombent sur des Anglais, les Corses américains ne savent pas quoi faire. Est-ce que les Anglais, c'est des ennemis, des cousins ? Est-ce qu'il faut leur taper dessus ? Donc, ils ne savent pas quoi faire. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils font du pavillonnaire. Et à cause de raisons psychanalytiques, ça entretient l'étalement urbain. Vous saisissez ? Eh oui. Alors, au Café des Sports de Saint-Brieuc, les gens disent... Aïe, excusez-moi, c'est... je me suis gratté. Les gens disaient... Ah oui, au Café des Sports, ils disaient... Oui, en Corse, ça ne se serait pas passé comme ça. Il y a longtemps qu'en Corse, les gens... Ils auraient mis du... dans les serrures des résidences secondaires anglaises, ils auraient mis de la pâte à crêpes, du lisier, des cuisses de grenouille, du steak de cheval mélangé avec des lasagnes, on ne sait pas. Mais là, au Café des Sports, quelqu'un disait que les Corses feraient sans doute moins les malins si l'Italie s'appelait la Grande Corse. Bon, voilà, grosso modo, nous, à partir de ce constat, cet arbre mythogénéalogique si particulier, on a essayé d'imaginer des alternatives à l'étalement urbain liées, bien sûr, à l'imaginaire local. C'est pour cela qu'on a imaginé des logements collectifs en forme de phare breton. Avec la proposition de loger une famille par étage et de réserver le rez-de-chaussée à un service, une micro-entreprise ou un commerce de proximité. Là-bas, on a aussi été aussi fort interpellé par le nombre stupéfiant de ports de plaisance dans cette région. Et on a proposé, dans ces ports de plaisance, d'appliquer la loi des 20% de logements sociaux en investissant des tankers abandonnés dans le cadre de la fin de la civilisation du pétrole. Et en fin de repas, en fin de réunion, on a même imaginé des villages de saints. Avec une architecture tout en douceur, tout en rondeur, qui pourrait lutter contre la dictature des angles, qui fait un peu rage dans le domaine de l'architecture, et ainsi, symboliquement, l'acadiquement parlant, s'émanciper de l'Angleterre, la terre des angles.